Please be seated. Le président, veuillez vous asseoir. The court is now back in session. Reprise de l'audience. Before I hand the floor to Kirsten Pang Defense avant to continue the statements, de Kyu Sampang in case la 00/01, dans le dossier 002/01, to remind Kirsten Pang Defense that the la chambre rappelle time allocation à la for your team is 2 days. Vous êtes imparti et de 2 journées. That's for the council as well as for Kilson Pond. Pour l'équipe des avocats et pour l'accusé Kilson Pond. That is for the totality for the closing statement for case 02/01. And I'd like to inquire from Kirsten Pang's defense, how much time Kirsten Pang himself will use and when is the date that he will use to present his speech. Que prendra Kirsten Pang. Thank you. Et à quel moment il interviendra. Merci. Monsieur le Président, il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris dans ce que vous venez de dire. En tout cas, tel que cela m'a été traduit. Il m'a été traduit que nos plaidoiries étaient prévues pour durer 2 jours, mais que sur ces 2 jours, vous reteniez le temps qui serait utilisé par Monsieur Kyu Sampang. C'est bien cela? Set aside time for Mr. Kyu Sampang. Yes, that is correct. Oui, c'est exact. This morning, we did not clarify the time allocation for your team. Ce matin, and début in d'audience, fact, nous n'avons pas that time allocation has been sent to all the parties before the start of the closing statements. And now we just try to recall that for your team, to remind your team. And we'd like to inquire from you de le rappeler à votre équipe when et Kyu nous Sampang vous demandons à quel moment Kyu Sampang prendra la parole statement, dans le cadre and when de will he do vos plaidoiries. À quel moment prendra-t-il la parole? Mais ce que je ne comprends pas, c'est est-ce que M. Kyu Sampang bénéficierait d'un régime particulier dans le cadre du présent procès, puisque mes confrères Copé et Sonaru n'ont utilisé quasiment leurs 2 journées, à l'exception d'une demi-heure. Et je ne crois pas que vous ayez exigé que M. Nunchia utilise cette demi-heure pour prendre la parole. J'ai le sentiment qu'il y a un problème de communication. Ce n'est pas du tout ce qui nous a été dit, Monsieur le Président, jusqu'à maintenant. Nous avions compris, et je termine s'il vous plaît, que il était prévu que les parties se répondent la semaine prochaine. C'est bien ça? Et que dans le cadre du temps qui était alloué pour ces réponses, ces répliques en quelque sorte, eh bien, les accusés pouvaient s'exprimer. Mais à ma connaissance, il n'a jamais été indiqué aux parties et à notre équipe que le temps de nos plaidoiries de 2 journées qui commencent ce matin seraient amputées du temps éventuel que prendrait M. Kyu Sampang pour s'exprimer. Le président.
The time allocation today is for le temps due dont vous counsel and your client, the accused, and the totality of the time is 2 days. During the 2 days time allocation, you can freely choose when you wish to speak and when your client wishes to speak. And for the last day, then the time, the additional time will be granted to each of the accused to make their speech, and each of the accused will be allotted 2 hours. And of course, you cannot compare your time to Nunchi's defense. Yesterday, as you have heard, Nunchi's defense said he would not use the time during the 2 day time allocation. He will do so at the last day. And that would be on the last day of the closing statement. I think it is clear to you now. Oui, j'ai compris. Yes, I have understood. Et donc, M. Kyo-Sampan parlera le dernier jour au moment des répliques. Will speak on the last day during the rebuttals. Thank you. That's all we wanted to hear from you. But now you can resume your closing argument. Vous pouvez donc reprendre votre plaidoirie. Merci. Thank you. Je voudrais maintenant évoquer quelques points concernant la preuve dans ce dossier. Dans leur plaidoirie, et je ne reviendrai pas dessus, mes confrères de l'équipe de Nunchia ont évoqué le fait que si l'on observe dans leur globalité les documents utilisés par les procureurs pour justifier leur réquisition, on pourrait arriver à considérer que ce procès aurait pu ne coûter quelques dizaines de dollars. Et dans les preuves qui vous ont été présentées ces derniers jours par les procureurs, il y a eu aussi beaucoup d'extraits vidéo. Ils sont gratuits, les extraits vidéo, ça ne coûte pas grand-chose. Et ce sont des documents qui sont malléables. Et je voudrais vous en faire une très brève démonstration en demandant que les services techniques fassent jouer les vidéos 1 et 2. And I would like videos 1 and 2 to be screened for me to show what I'm trying to explain. Vous aviez, et vous disiez en même temps que de toute façon le pouvoir, votre famille l'avait déjà depuis 2000 ans et que ce pouvoir là, vous étiez prêt à l'abandonner. Moi je veux bien partir since 2001. Les intérêts de mon pays. Mais comment de quitter mon poste de chef d'État, mais je ne veux pas qu'on me donne un coup de pied dans le derrière, qu'on me chasse alors que je n'ai pas trahi mon pays. Je n'accepte pas de faire ça. C'est pourquoi j'ai lutté. I do not accept this. That is why I fought. I fought and I won. J'aime la lutte. Qu'est-ce que because vous voulez, I like fighting. Comme Cassius Clay, n'est-ce pas? As Cassius Clay said, qui aime la boxe, moi j'aime la lutte. If you want to engage in a boxing match, I would like to box with you. Oui, en ce qui concerne l'exécutif. Oui, monsieur. Oui. Executive, what is your feeling vis-à-vis de votre peuple, vis-à-vis du gouvernement? Well, I am proud of being in power. I'm proud of being part of the revolution. I want my monarchy to work within the framework of this revolution, because there is no monarchy that is intelligent enough to stage this coup d'état. I am proud that the kingdom of Cambodia is the most progressive in the history of humanity. J'habite le Palais Royal. Do you live in the Royal Palace? I do not live in the Royal Palace. It is the Khmer Rouge. C'est vous qui l'aviez demandé ou est-ce que ça a été settled me there? Did you ask for that? Notre chef d'État, il doit être là. They said a head of state au Palais Royal qui symbolise l'État. Live in the Royal Palace, which symbolizes the state. Donc le chef d'État so doit être là. The head of state should voilà live there. Ce qu'ils m'ont dit. That is what moi, he told me. Moi, je me contenterai bien d'une. I would contend myself. Now, talk about relations with the Khmer Rouge combatants. Do you think of the coup d'état? Regarding the coup d'état, relations are very good, very cordial,
And nous sommes d'accord sur tous les points maintenant, tant sur le plan intérieur que sur le plan extérieur. Both at home nous and abroad. Adoptons la même ligne de we conduite. Have the same line of conduct. Nous sommes d'accord les uns we avec les agree autres. With one another. L'un avec les autres. We agree with one another. Chez le dentiste quelquefois avec it ma femme, dentist, eh bien, je voyais des gens dans les rues qui venaient de leurs usines, qui rentraient chez eux. From their factories, mais ces gens-là n'avaient pas home, l'air malheureux. Did not look unhappy. Je ne pouvais pas parler puisque je ne faisais que aller often? Chez le no, dentiste, mais avec qui on s'entend. Nous I, avons visité quelques coopératives, nous avons visité des rizières, nous avons visité some des chantiers de travail farms, manuel, mais ces gens n'étaient pas malheureux, ils n'avaient pas l'air terrorisés, ils n'étaient pas sous-alimentés, ils n'étaient pas sous-alimentés, ils n'étaient pas sous-alimentés. Deux interviews viennent d'être projetées sur vos écrans. La première interview a été donnée en octobre 1975 à New York à des journalistes français. Octobre 1975, Sam Dek Sihanouk est à New York, il est libre, rien ne l'oblige, les pressions envisagé par Pol Pot dans le PV de la réunion du comité permanent du 11 mars 1976, PV qui a été utilisé par le procureur dans ses réquisitions de cette semaine, ces pressions n'ont pas encore été mises en place, si elles l'ont été un jour, puisqu'on est 6 mois avant we are 6 months before this meeting of the Central Committee of 11, a Standing Committee, correct interpreter. In October 1975, during this interview, the evacuation of Phnom Penh not seulement déjà été décidé, not only had been decided already, but mise en œuvre, it was implemented et terminée it was depuis had de nombreux mois. Completed already for quite a few months. Sam Dek Sihanouk Sam Dek Sihanouk vit is living Phnom Penh vide. In an empty Phnom Penh. En outre, en octobre 1975, this, les événements de Thul Pochhre ont déjà eu lieu depuis 6 mois. Of Thul Pochhre have already happened six enfin, months earlier. And à cette finally, date d'octobre 1975, non seulement le déplacement phase 2 de population a déjà été décidée, mais sa mise en œuvre a commencé. Et puisque nous n'avons pas de certitude sur son achèvement, elle est peut-être même déjà terminée. Et pourtant, dans cette interview, Sam Dek Sihanouk le dit, je suis d'accord sur toute la ligne, sur toute la politique intérieure et extérieure. La seconde interview date du 5 février 1979, c'est-à-dire qu'elle a été donnée après la chute du régime Khmer Rouge. À cette date, tous les doutes peuvent être écartés sur les risques que courrait Sam Dek Sihanouk à parler de ce qu'il a vraiment vu dans les coopératives. Eh bien non. Well, no. Il ose soutenir que les coopératives visitées avec Khieu Samphan pendant le régime étaient emplies de gens qui n'avaient pas l'air who did not seem malheureux ni sous-alimentés. Unhappy or who did not seem famished. Alors, je n'entends pas, Monsieur le Président, of course, Mr. President, my intention tirer des plans is sur la comète to come up with fantasies à partir de ces vidéos. On the basis of these videos. J'entends I seulement only wish here vous démontrer to demonstrate et vous dire to you que voici you le genre de preuves is the kind of que les procureurs alignent contre line up notre client. Our clients. J'entends vous and dire que si quelqu'un avait eu le culot, had le toupet, the si quelqu'un avait osé traîner Sam Dek Sihanouk jusqu'à ce banc des accusés, voilà le genre chamber, de preuves kind of que les procureurs auraient projeté would have sur nos écrans pour démontrer sa culpabilité his au-delà de tout doute raisonnable, doubt, comme ils le disent. As they say. Les autres and, preuves the other evidence
qui ont été utilisés par les procureurs, used by the prosecutors, quoique très peu en réalité. Well, in fact, very little in reality. Ce sont les témoignages. Are statements, testimonies. On a l'impression ici du côté de la défense here, que le procureur ne se sert pas beaucoup de ce qui s'est dit pendant ces deux années de procédure dans cette chambre. Before you here. Ou alors pour déformer les propos maybe des témoins. They used their statements to distort au premier the jour de sa plaidoirie, saying, mon confrère Copé the first day of his final submission, my colleague Victor Coppé spoke about all of the pressure and all of the inherent difficulties dont ont été récoltés ces témoignages, in gathering these testimonies and in parfois sometimes été répétés devant votre chambre. Repeating these testimonies before your chamber. Au-delà and de cela, beyond this, vous ne pourrez pas éviter d'avoir à l'esprit au moment de prendre votre décision dans ce dossier case, la question de l'ancienneté des faits. Nous jugeons des faits qui sont anciens. These are facts that happened a long time ago. These are facts that parfois date back to maybe plus de 38 ans more than 38 years, l'on va avant 1975. We speak about what happened before 1975. Personally speaking, et vous me direz peut-être que je vois midi à ma porte. You might see that, mais personnellement, aujourd'hui, il y a 47 ans, Monsieur now, le Président, today, at the age of 47, je suis tout à fait incapable I am completely unable de vous décrire to describe avec certitude to you, in detail, un événement précis a specific event qui se serait produit dans ma vie in my life entre 1975 et 1979. Et pourtant, but however, bien que je ne vais pas however, m'étaler ici, although, of course, I'm not going to belabor the point. Cette période n'a pas forcément period été une partie de plaisir pour moi. Was not necessarily easy for me. Alors, so, il me semble, it seems to me, il nous semble, or it seems to us, que that, les pièces the originales original evidence du dossier que vous jugez aujourd'hui the case that you are trying today aurait dû occuper une place toute particulière dans ce procès. Elles auraient dû occuper une place prépondérante. Pourtant, however, en deux ans d'audience over the past dans cette salle, years before this chamber, nous n'avons vu we have que deux only documents seen originaux. Original documents. Il ne s'agissait so, pas de procès-verbaux these were not du comité permanent, of the standing sont quand même les pièces reines de cette affaire case, et que nous n'avons en photocopie ou en scan. Il s'agissait de deux exemplaires d'un journal de propagande of a propaganda du régime magazine Khmer. Of the Khmer Rouge regime. De plus, and furthermore, voilà deux ans que j'assiste comme je peux, years, I've been following Monsieur Kyusampan, or I've been helping mais as best I can correct Mr. Kyusampan, and I have never seen jamais the case file. Never. Je n'en ai vu que des scans I have only ou seen des scans partielles. Or partial copies. L'article 86 Article du règlement intérieur of the internal rules prévoit que les parties peuvent that the consulter le dossier et en obtenir the copies. Case file and obtain copies of the elements. Cela pourrait signifier que ce dossier est ouvert à la consultation, qu'il est un document qui doit bien se trouver quelque part. Must be a document somewhere in it, mais il semble qu'il ait disparu. This document has disappeared. Personne Nobody ne semble savoir où seems il se to know where this document can be il found. Paraît être it, un dossier virtuel, apparently this is a virtual uniquement file, validé a file that has only been par le support to, informatique sur lequel il a that été only has enregistré. Through its digital form. Ce matin, this morning, je suis arrivé arrived, dans ce tribunal par une porte que je n'ai pas l'habitude before this chamber through a door that I'm not used to going through, qui est la porte principale which en réalité. Is the main door, in fact, the main et gate. Après avoir passé and la sécurité, j'ai remarqué security, un trophée dans une vitrine. I noticed a trophy in a showcase. Et ce trophée, this, ainsi exposé, that is displayed, récompensait le prix was awarded, 2009 was an award de la plus grande for the innovation technologique dans un procès. Award for the greatest technical innovation et je me suis fait la remarque suivante and I said to myself, qu'il s'agissait that, probablement d'un prix de prestidigitation, some kind of d'un award prix de magie
for magic. Du prix qui récompense celui qui a fait disparaître the person who made le dossier. The file disappear. Le dossier qui, dans tous les procès criminels du monde, aurait dû être posé ici, devant vous, au milieu de cette pièce, et durant tout le procès, ainsi que les pièces à conviction. Et qu'il s'agisse de prétendus originaux d'époque ou de photocopies, nous aurions voulu savoir quel a été le cheminement de ces documents jusqu'à leur arrivée dans le dossier virtuel du tribunal. Ici, il semble que ce soit impossible. Le dossier Racine s'est évaporé. J'en suis réduit pour ma part à des suppositions lorsque l'on me communique un document ou lorsque l'on plaide de l'autre côté de la barre sur un document ou lorsque j'imagine moi-même utiliser un document. J'en suis réduit à des recherches informatiques infinies et chronophage pour tenter de comprendre et de savoir comment les juges d'instruction ont reçu tel ou tel document. Même le nombre de pages du dossier des juges d'instruction est pour moi un mystère. J'ai tout entendu à ce sujet, de 500 000 à 1 million de pages. En fait, je n'en sais rien. C'est invériable, et c'est peut-être même pour cela que vous nous avez finalement laissé si peu de temps pour tenter de le vérifier. Je me souviens d'une audience du mois de décembre 2011, au cours de laquelle vous avez déclaré, Monsieur le Président, que le débat sur l'authenticité des pièces du dossier aurait dû avoir lieu avant l'ordonnance de clôture. Je ne pense pas que cela soit exact. Je me souviens également d'une audience de janvier 2012 sur les exceptions d'irrecevabilité des documents. Au cours de laquelle vous avez déclaré que la Chambre considérait que lorsqu'un accusé demande à ce qu'on lui présente l'original document, cela signifiait qu'il exerçait son droit à garder le silence. Ça en dit long. Ça en dit très long sur les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Parce que lorsqu'un accusé demande à ce qu'on lui présente l'original d'un document, s'il existe, il demande à ce qu'une discussion ait lieu sur ce document. Ce débat aurait dû avoir lieu au procès. Nous aurions voulu avoir ce débat pour chaque pièce produite et pas seulement pour les grandes catégories fourre-tout, pas seulement sur les audiences intitulées « Audiences sur les documents clés » que nous avons dénoncées maintes et maintes fois, puisqu'elles avaient été préalablement annoncées comme destinées au public, et que toute prise de parole des avocats y était interdite jusqu'à ce que l'on nous annonce qu'elle faisait partie intégrante du procès. Alors je sais bien que l'article 87.1 du règlement intérieur énonce que la preuve est libre, mais les juges peuvent-ils, dans une affaire aussi grave et sensible, éviter de se demander de quelle nature, de quelle provenance, quelle est la chaîne de conservation des documents sur lesquels le procureur leur demande de se fonder pour se construire une intime conviction? Je ne le crois pas. Parce que les procureurs ne sont pas vos amis. Ils vous demandent de prononcer la peine maximale sur le fondement de vidéos, de pièces scannées, de photocopies, d'articles, de presse,
in the press de témoignages on the basis remontant of, à 38 années going back 30 et years de deux and pièces on the basis of en original. Two original documents. Et puis, il faut bien constater are forced to note qu'il serait that, périlleux it would be dangerous de compter sur un minimum de probité a minimum level of du côté de l'accusation. On the side of the prosecution. Je n'en donnerai qu'un seul exemple let me aujourd'hui. Just give you one single example today. L'équipe de Nyonchea en a déjà donné beaucoup many et nous tenterons d'en donner d'autres. This and we will try to provide other examples. Le 13 juin 2012, par une décision qui porte la cote E166/1/4, votre chambre statuait sur la valeur probante des dépositions du professeur Kiernan. Statements of Professor Kiernan. Ce monsieur refusait de coopérer avec votre chambre to work with et de venir à Phnom Penh. And to come to Phnom Penh. Et dans votre and décision, in your decision, vous disiez, you stated the following. Je cite, and I quote, conformément aux normes destinées à garantir l'équité du procès tel qu'établi à l'échelon international, l'incapacité dans laquelle se trouve la Chambre de faire citer le professeur Kiernan implique que les conclusions du professeur Kiernan ne sauraient avoir que peu de valeur probante, voire aucune, dans le dossier 002, étant donné que leur auteur ne peut pas être l'objet de contre-interrogatoire. Fin de la citation. Croyez-vous que les procureurs tiennent compte de ce genre de décision? This kind of decision? Pour le vérifier, in order to verify nous vous proposons non seulement de les écouter, ce que vous avez fait attentivement, to listen to them, which you did, mais également d'aller consulter leur mémoire look at their de 538 pages, of dont 311 pages, out of which 311 pour 2900 notes de bas de page, include 2900 mémoire dont j'ai déjà dit, a submission que vous aviez décidé que ni M. Kyo Sampan ni ses avocats n'avaient besoin de lire dans une langue qu'ils comprennent, mémoire dont j'ai déjà dit aussi que nous n'avions eu que 18 jours pour tenter d'y comprendre vaguement quelque chose. Et voici donc que dans ce mémoire, sur des points capitaux, la théorie de l'accusation n'est supportée que par les seuls et uniques écrits de ce professeur Kiernan, dont votre chambre a pourtant déjà annoncé chamber, however, que ses conclusions n'avaient aucune valeur probante. No voici trois exemples parmi d'autres, ce sont ceux others. Que j'ai pu trouver dans l'urgence, dans lesquels ce témoin se voit donner une place capitale par les procureurs. Paragraphe 521, note de bas de page, 2012. M. Kyo Sampan aurait convoqué une prétendue session d'études de 500 personnes. Paragraphe 554, note de bas de page, 2282. M. Kyo Sampan aurait tenu des propos en décembre 1975 pour tenter de justifier l'évacuation. Paragraphe 643, note de bas de page, 2795, en 1992, M. Kyo Sampan aurait proféré des menaces de violence ethnique accrue. Souvenez-vous, mesdames et messieurs de la Chambre, honors, de la réponse ici à cette barre the de M. Chang Yuk, directeur de DCCAM, the head of DCCAM, qui est une association qui constitue une des sources essentielles des documents qui composent votre dossier même virtuel, your case file, even though et qui, à be cette barre, refusera refusera de vous révéler dans quels différents lieux secrets répartis secret sur le territoire cambodgien son organisation, détenait d'éventuels documents originaux qu'elle collecte et dont le tribunal
et moi-même n'a reçu que des photocopies. Of which we only received photocopies and scans. Vous vous souviendrez aussi de sa réponse lorsque je lui ai demandé pourquoi nous devions le croire quand il affirmait posséder des documents en original et que ce monsieur nous a répondu avec le plus grand sérieux pour décider de l'authenticité d'un document qu'il recevait par la poste, il le humait, il en écoutait le bruit, et que pour lui, il a fait cette comparaison, c'était comme prendre un bon petit déjeuner. Excusez-moi, mais je pense que nous sommes en droit de nous inquiéter de la force probante des preuves qui sont discutées à travers ce dossier virtuel, à travers une chaîne de conservation mal décrite, tenue secrète, et sur lesquelles Monsieur le procureur, Madame le procureur, vous demande de vous fonder pour condamner deux vieillards, certes monstrueux, à la peine maximale. En conclusion de mon propos de ce matin, je voudrais rappeler les propos de l'ancien juge d'instruction Marcel Lemonde, qui a reconnu dans un livre qui narre son expérience au sein de ce tribunal, avoir rédigé l'ordonnance de clôture pour l'histoire. Ce sont ses mots. Pour l'histoire. J'utilise le verbe reconnu parce que finalement, cette ordonnance de clôture, on la prenne dans son entier ou dans les parties que vous avez sélectionnées via disjonction, n'est effectivement qu'un avatar d'un livre de M. Short. Si nous nous arrêtons aux prétendues preuves que nous ont présenté les procureurs lors de leur plaidoirie finale, nous devons malheureusement en conclure que ces deux années d'audience n'auront pas changé grand-chose. Or, un tribunal n'est pas là pour écrire des histoires. Un tribunal n'a pas une fonction historique. Un tribunal n'a pas une fonction première de réconciliation nationale. Un tribunal est là pour rendre justice selon les règles du procès pénal, à partir de preuves solides et incontestables. C'est tout. Et ce serait déjà beaucoup. Je vous remercie. Condamnez-les vite. Convict them quickly. Condamnez-les vite avant qu'ils ne meurent. Convict them quickly before they die. Monsieur le Président. Mr. President. Mesdames et messieurs de la Chambre. Ladies and gentlemen, in this courtroom. C'est ça que l'opinion publique internationale. That is what. Attend de vous. Public opinion. Celle décrite. Is waiting. Par mon confrère Arthur Verken. You, Your Honours. Du côté de la défense, c'est vrai. That is what nous ne faisons plus preuve de naïveté. Nous savons que lorsque les bailleurs de fonds viennent au chevet de ce tribunal malade pour que la procédure suive son cours, nous savons que la seule chose que l'on attend de vous, c'est un verdict de condamnation. Il n'y a pas une seule personne, si nous sommes un petit peu honnêtes, il n'y a pas une seule personne dans cette salle d'audience ou à l'extérieur qui pense qu'il y aura un jugement autre qu'un jugement de condamnation. Cette condamnation symbolique attendue depuis la mise en place du tribunal, cette condamnation qui donnera l'impression du devoir accompli à l'égard de l'histoire dont parlait mon confrère.
Parce que c'est le paradoxe des juridictions internationales. On nous met en avant le droit des accusés, on nous met en avant les droits de l'homme. Mais finalement, ce que l'on veut juger, ce ne sont pas des hommes dans le cadre de leur responsabilité pénale individuelle. C'est le symbole qui représente. Alors j'ai bien entendu du côté de l'accusation que on allait nous renvoyer dans les cordes en disant que nous allions évoquer le contexte historique dans le cadre de nos plaidoiries, comme si ce contexte n'était qu'un prétexte à effet de manche, comme s'il n'était pas au cœur même de ce procès. Parce que s'il s'agit de juger l'histoire, il faut juger toute l'histoire. Et parce que ce contexte historique est important, nous allons commencer par là. Parce que peut-être qu'il y a des choses que l'on n'a pas envie d'entendre. Peut-être qu'il y a des choses qui bousculent. Peut-être qu'il y a des choses qui sont gênantes, parce que quand on les dit, on est obligé d'avoir une vision un peu moins manichéenne des choses. Mais la vérité est complexe. On ne peut pas se contenter de visions schématiques. Il faut aller au cœur des choses. Alors non, la défense n'a pas à se contenter de la version officielle. Il ne faut pas parler des choses qui fâchent. Il ne faut pas parler des choses qui dérangent. Il ne faut pas parler des choses que tout le monde pense tout bas et que personne n'ose dire. Être du côté de la défense, ça veut dire penser autrement. Mais pas que pour la défense, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Chambre. Pour vous aussi, en tant que juge, vous devez penser autrement. Et je sais bien que ce n'est pas facile de penser autrement dans ce dossier. Il y a eu tellement de souffrances. There has been so much suffering, tellement de douleurs, so much pain. Les souffrances d'un peuple cambodgien que nous avons entrevu ici, dans cette salle d'audience. Of the Cambodian people Et alors came oui, to testify before this l'opinion, chamber. Yes. Vous, moi, pense qu'il faut que quelqu'un paie. Everyone has an Mais qui opinion. Et comment you, we, myself, we think that someone Alors should oui, pay the price. But il faut aller au-delà des partis pris. Des préjugés, we should go beyond des jugements préconçus. Biases, preconceived tous judgments. Autant que nous sommes arrivés, je vous le dis, avec d'autant plus de facilité we que moi aussi, tout avocat de la défense que je suis, je suis arrivé avec des préjugés dans ce dossier. Defense, we have all come here with our biases. Et ce que l'on vous demande aujourd'hui du côté de la défense And de Kyo Sampan, we, the Kyo Sampan, c'est de laisser tomber, de mettre today, de côté tous ces préjugés, set aside ces jugements préconçus, all these prejudices, all these et simplement d'aborder le dossier tel que vous l'avez fixé dans le cadre de ce procès 002/1 et de voir ce qui a été apporté de part et d'autre. Parce que nous ne pouvons pas nous contenter de regarder simplement le sommet de l'iceberg. Oui, juger un procès comme celui-là, ou défendre dans un like procès comme celui-là, ou même poursuivre dans un dossier comme celui-là, cela nécessite que l'on mette ses préjugés de côté. We should set aside our prejudices, our biases. Condamnez-les vite avant qu'ils meurent. Convict them quickly. Mais sur quel fondement? But on what basis? Est-ce qu'il faut comme l'instruction telle que nous l'avons dénoncée, corroborée par tous les moyens nécessaires, une idée que l'on avait avant ce procès? Est-ce que ces 20 mois d'audience où des preuves ont été apportées doivent être mis de côté ou examinés de façon parcellaire? Et c'est vrai, on vous le dit, au fil de ces 20 mois d'audience, entre objections rejetées, hearings, déclarations en grand nombre, écrites admises en fin de procédure, denied, oui, la défense s'est demandé un moment si on avait vraiment envie d'entendre autre chose que les idées préconçues que l'on avait auparavant. Really et à cet instant précis, Monsieur le Président, and Mesdames et Messieurs de la Chambre, this particular time, your honors,
Je pense à Jacques Vergès, notre confrère. Your Honors, I think of Jacques lui, Vergès, qui était le symbole de la défense de rupture. Who was a symbol of rupture cette défense de rupture dans laquelle this une défense in which dans un dossier comme celui qui concerne M. Kyo-Sampan, like that of Mr. Kyo-Sampan, cette défense prend tout son sens. Assumes all its parce que significance. Quoi de mieux que de rompre because avec les idées reçues, what is more avec les préjugés, than breaking with received ideas lorsqu'on a l'impression qu'on est déjà condamné avant d'avoir été jugé. You have already been found guilty before your oui, trial. La voix de Jacques Vergès manquera yes, aujourd'hui. The voice of Jacques Vergès non seulement parce que il avait ce talent d'avocat de la défense, mais également parce qu'il a traversé toutes ces années d'histoire qui nous préoccupent aujourd'hui. Ce pan, ce contexte historique qui apparaît tellement anécdotique du côté de l'accusation et qui pourtant est au cœur même des faits qui nous préoccupent aujourd'hui. Parce que quand même, moi je veux bien que nous soyons accusés de faire des effets de manche. Je veux bien qu'on veuille nous expliquer que 75, 79 est surgi du néant. Je veux bien qu'on veuille nous expliquer que c'est notre client parmi d'autres qui a affamé le peuple cambodgien, mais quand même, rappelons-nous tous ces autres accusés qui ne sont pas là dans cette salle, qui ne sont pas sur ce banc, parce qu'il en manque des accusés. Et je ne parle pas de Yang Tirit ou de Yang Sari, dont nous savons ce qu'il est advenu au cours de ce procès. Moi, je parle des responsables des années de violations frontalières et d'invasion du royaume du Cambodge. Je parle des responsables de la colonisation du pays. Je parle des responsables des répressions sauvages contre les révoltes paysannes. Je parle des grands artisans de la guerre froide à l'origine d'un combat implacable entre deux idéologies. Cette guerre froide qui est à l'origine directe du drame cambodgien. Il faudrait rajouter sur ce banc des accusés le gouvernement américain qui a pris le Cambodge comme champ de bataille. Parce qu'on parle des bombardements américains, on parle de ces bombardements comme si c'était anecdotique. As if it is mais comment expliquer la famine de 75 à 79 sans parler de ces années de destruction? Comment? Without talking of those years of destruction, of random destruction. Alors oui, c'est plus simple. How? Il y a le symbole des Khmer Rouges et well, yes, it is very simple. Il faut que quelqu'un expie. We have this symbol. Il faut que quelqu'un paye. Khmer Rouge. Someone has to explain. Someone has to pay the price. Mais il y a une réalité qui demeure dans ce dossier. One reality. Ce combat idéologique. Qui nous semble tellement loin en 2013 parce que les choses ont évolué. Cette guerre froide, cette situation géopolitique, elle est au cœur de ce procès. Et quand de l'autre côté de la barre, on ironise sur les peurs fantasmées de Kyo-Sampan, de la perte de l'indépendance de son pays, raison de son engagement, et nous y reviendrons, la peur de Kyo-Sampan. On peut le faire parce que nous sommes en 2013. Mais rappelons-nous, dans les années 50, 60, 70, ce que voulait dire la lutte pour l'indépendance pour les pays d'Afrique et d'Asie. Rappelons-nous, c'était ça la réalité du monde de l'époque. Et l'ironie de l'histoire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du Tribunal, l'ironie veut qu'aujourd'hui, que Sampan, qui a été le symbole à la tête de l'État cambodgien durant le Kampuchea démocratique, ce symbole sans pouvoir, l'ironie de l'histoire veut qu'aujourd'hui, il est le seul à être en état, à être présent sur les bancs des accusés. Le seul à pouvoir physiquement être là. Dans cette salle. Physically present in this courtroom today. Mais Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs and de la Chambre, Mr. President, Your Honors, ne vous laissez pas tromper par les apparences. Don't be fooled by appearances. Cette présence solitaire this solitary presence ne doit pas vous induire en erreur. Should not mislead you. Il vous l'a dit en audience. Kyo-Sampan n'est pas les Khmers Rouges à lui tout seul. Before the court. Kyo-Sampan is not the only il a un engagement, un parcours et un rôle qui ne correspond absolument pas à ce qui vous a été décrit par l'accusation.
which does not at all tally with what et pour comprendre the prosecution has ce parcours, oui, le and contexte historique, his journey, we have to look at the historical qui pour context. Nous n'est pas anecdotique, for us, it is not an anecdote. Qui est la source du mal. It is a source of the parlons-en. Let us talk about it. Parce que si on veut comprendre ce qui s'est passé entre 1975 et 1979, on doit en parler de ces réalités d'il y a plus de 40 ans. The realities that occurred more than 40 years ago. Et on doit se rappeler, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Chambre, Mr. President, Your Honours, que la question qui se pose est celle-là. Est-ce qu'on veut juger un homme ou est-ce qu'on veut juger l'histoire? Est-ce qu'on veut juger un homme ou juger un système politique? Est-ce qu'on veut examiner des preuves ou accepter des assertions floues? Ou un centre maléfique visait à détruire le peuple cambodgien? Parce que ce centre flou et maléfique évite de parler de l'intention criminelle des accusés, qui est pourtant au cœur de ce que vous allez devoir décider. Est-ce que l'on doit analyser des preuves et témoignages complètement, pleinement, en se débarrassant de nos préjugés? Ou est-ce qu'on ne doit, comme le fait l'accusation, n'extraire que ce qui arrange sa thèse? Du côté de la défense, bien évidemment, la réponse est évidente. Il faut tout examiner. Et parce que nous avons eu ces 20 mois d'audience, nous allons exploiter ce qui s'est passé pendant ces 20 mois d'audience. Parce qu'il y a des milliers et des milliers de documents, nous allons en parler de ces documents et de ces choses qui ne sont pas mises en avant par l'accusation, mais qui constituent pourtant la réalité de ce dossier. Alors oui, avril 1975, nous avons un pays détruit, un pays en faillite. We have a country that is destroyed, a country that is bankrupt. Et on parle de cette évacuation. Pourquoi and cette évacuation? Talking of this evacuation. Why did it come about? Alors que ce soit bien clair, Monsieur Khieu Samphan a toujours dit et il maintient aujourd'hui qu'il n'a pas participé à la prise de décision de cette évacuation du 17 avril 1975. Regarding the evacuation. Mais parce que nous sommes dans le cadre d'un procès, et parce que nous avons des preuves à examiner, parce que nous avons entendu des témoins, il faut examiner si les raisons qui ont été avancées par les Khmers Rouges pour justifier de l'évacuation, il faut examiner si on peut les entendre, s'il y a des éléments de preuve qui militent en faveur de cette thèse-là. L'instruction et l'accusation vous balaient d'un revers de la main les raisons invoquées par les Khmers Rouges. Shoved aside the reasons provided by the Khmer Rouge. Et qu'il soit bien clair ici que lorsque j'invoque ces raisons, clearly understood here that when I refer il ne s'agit pas d'une défense tardive ou après débat, alors comme je l'ai entendu de l'autre côté de la barre. Il s'agit d'analyser ce que vous avez vous-même entendu devant cette chambre, ce que vous pouvez lire dans les documents qui sont devant vous. What you can read in the documents. Ces arguments ont été soulevés au fil des questions qui ont été posées aux témoins qui sont venus défiler devant vous. Alors oui, il y a les raisons invoquées par Nong Chia et Pol Pot. Nong Chia à la barre, Pol Pot lors d'une interview qui expliquait que l'évacuation était justifiée par l'incertitude de la réaction des Américains, les éventuelles poches de résistance, et la nécessité d'accroître la production pour plus de denrées alimentaires. Et là, oui, effectivement, il faut se poser la question, mais quelle était cette situation le 17 avril 1975? Des raisons militaires? Oui, des raisons militaires. Alors j'ai entendu beaucoup de choses et cela a été repris à de nombreuses reprises et par l'accusation et par les parties civiles en vous disant que la peur des bombardements était un prétexte. Et on vous dit, la preuve qu'il n'y avait pas de risque de bombardement, c'est qu'il n'y en a pas eu. Là je m'interroge, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Chambre, depuis quand, parce qu'un risque ne s'est pas avéré, ce risque n'a-t-il jamais existé? Comment
ne pas comprendre qu'après 5 ans de guerre, avec des moyens nettement moins importants que le régime de Lonnol soutenu par les Américains, comment ne pas imaginer que oui, ça a pu être une possibilité envisagée par les Khmer Rouges qu'il y ait des représailles. It lost the war against ce n'est pas moi qui le dis, Monsieur le Président. Isn't there a risk that there will be reprisals? I am not the one saying it, Mr. Ce sont les faits qui vous ont été présentés devant cette chambre. Presented before this chamber. Le 1er avril 1975, on the 1st of April 1975, Samdem Sihanouk lui-même, Samdek Sihanouk himself, dans une déclaration, in a statement, document E3/12/87, dénonce les manœuvres qu'il appelle de l'impérialisme américain et de ses valets à Phnom Penh. Et voilà ce qu'il dit. Je cite. Les USA croient nous intimider en envoyant encore dans nos eaux territoriales un second porte-hélicoptère, le Hancock, pour renforcer les porte-hélicoptères Okinawa et les nombreuses unités navales US en rade devant nos côtes maritimes. Des milliers de soldats US se trouvent à bord de ces unités, prêtes à venir au secours de l'armée et du gouvernement de Lonnol. Fin de citation. 1er avril 1975. Oui, on pensait qu'il y avait un risque d'intervention. La Chambre se souviendra également des témoins qui ont évoqué les bombardements cambodgiens, les bombardements de la République Khmer. Alors certes, pas comparables avec les bombardements américains, mais des bombardements quand même. Souvenez-vous, Eder, Stephen Eder, à l'audience du 11 juillet 2013, je cite, les bombardements des avions américains ont cessé totalement à cette époque. Cependant, les forces aériennes, les bombardements aériens de l'armée de la République Khmer ont continué, ainsi que les tirs d'obus par les forces terrestres de la République Khmer. Et oui, c'était la guerre jusqu'au 17 avril 1975, et même après. Et là, je suis obligé de faire un petit rectificatif. La guerre, ce n'est pas seulement les tirs de mortier évoqués par l'accusation, des armes pas toujours très précises des Khmer Rouges. Non. La guerre, c'est un affrontement à mort entre deux armées ennemies. Il n'y a rien de beau là-dedans, il n'y a rien de propre. C'est la guerre. War is war. It is not a et rappelons-le. War. There is no clean war. Let us rappelons ces déclarations de Sidney Schomburg, qui était présent dans ces semaines précédant le 17 avril 1975 à Phnom Penh. Et voilà ce qu'il vous dit à propos de cette guerre qui n'a rien de propre. Il évoque le 11 janvier 1975 un bruit qu'il entend. Et il dit, je cite, some noise and he said, le tonnerre m'a réveillé, mais le ciel est clair. The thunder woke me up, le bruit est provoqué par l'homme. The thunder ce sont les avions du gouvernement qui lâchent des bombes à grappes. It is government planes ce sont des bombes antipersonnelles, car chaque projectile contient des milliers de petites bombes qui explosent sur un grand espace et qui visent à tuer et mutiler autant de gens que possible. In a given space, tandis que les bombes ordinaires visent à détruire des cibles précises. Whereas, c'est la première fois que les forces aériennes cambodgiennes utilisent ces armes américaines de manière aussi large. Et beaucoup de ces versions avancées de ces armes contiennent du napalm. Fin de citation. Voilà cette guerre. Ces armes, ces bombes antipersonnelles, ce napalm déversé sur le Cambodge. Ce ne sont pas les Khmer Rouges. These are not Cambodian weapons. These are not. Est-ce que le risque de bombardement pouvait être exclu? Could we exclude the risk of mais such bombings? Même des témoins centraux de l'accusation vous disent even que non. Rappelez-vous, Pipoun, yes. À l'audience du 31 juillet 2012, on lui demande, est-ce qu'au cours de cette réunion ou d'autres réunions, il a été évoqué le risque de bombardement de la ville de Phnom Penh? Réponse, c'est un sujet qui a été abordé. Il a été dit qu'à certains endroits, des avions avaient été utilisés, à Siem Reap et à Sihanoukville.
Est-ce qu'il y avait des poches de résistance de soldats RK? Oui, il y en avait. Resistance of Khmer Republic troops? Yes, there were. Est-ce qu'on pouvait être sûr de leur réaction? Non, on ne le pouvait pas. Can we be sure of their reaction? No, we can't. Témoin Chomsey, à l'audience du 11 janvier 2013. Il vous dit, c'est un militaire, qu'il y avait une peur réelle d'un sursaut de l'armée de Lon-Nol. Je cite, « Nous étions en mouvement pour des raisons de sécurité. Nous avions peur que nos troupes ne soient attaquées par les vestiges de l'armée vaincue. » Est-ce qu'il est le seul à le dire? Non. Monsieur Poncho, à l'audience du 9 avril 2013, vous raconte le 18 avril 1975 avoir accompagné des Khmer Rouges à côté du Palais Royal. Et il vous dit avoir vu, je cite, des soldats de Lon-Nol qui résistaient à cet endroit et qui leur tiraient dessus. Il témoignera même que les soldats Khmer Rouges pensaient trouver des soldats américains sur place. Alrokoff également vous le dit. Il vous dira à l'audience avoir entendu des combats sporadiques pendant toute la semaine suivant le 17 avril depuis l'ambassade de France où il était réfugié. Eder également parlera de poches de résistance ailleurs qu'à Phnom Penh. Et je cite, des résidus de forces aériennes de l'armée du Cambodge, des résidus de la vieille garde qui voudraient continuer de s'opposer aux Khmer Rouges. Voilà ce que les gens craignaient lorsque, à Battambang, certains avaient compris la nécessité d'une évacuation temporaire. Ce sont des témoignages que vous avez entendus devant cette chambre. Alors oui, c'est vrai. Il y a eu des évacuations avant celle de Phnom Penh. Mais ce sont des évacuations dans le cadre de tactiques militaires. Et ça, c'est un élément extrêmement important à retenir lorsque nous allons devoir parler de la responsabilité éventuelle de Khieu Sampan dans le cadre de la mise en œuvre de cette évacuation. Les évacuations dont on vous a parlé en long, en large, du côté de l'accusation pour vous dire qu'il y avait des précédents, ont toujours été décidées et mises en œuvre par la branche militaire des Khmer Rouges. Et ça, vous avez des témoins qui sont venus vous expliquer le comment et le pourquoi de ces évacuations à cette époque. Le témoin Nikan vous le dit. Il s'agissait d'évacuer la population des zones de combat, mais parfois seulement temporairement, quand les civils eux-mêmes ne fuyaient pas de leur propre chef. Le témoin Choukrin également, je cite, nous étions en temps de guerre, nous n'avions aucune raison de considérer tous les civils comme des ennemis, et je n'avais reçu d'ordre à cet effet, et je n'ai jamais reçu d'ordre à cet effet. Mais si les ennemis nous attaquaient et que la population n'avait pas été évacuée, cela représentait un risque. Fin de citation. Et ces déclarations sont confirmées par des témoins aussi largement utilisés par l'accusation que Duc, Pipoun, qui était une tactique de guérilla. Ça a été confirmé à l'audience par Chandler, qui vous explique l'historique des méthodes de guerre à l'audience du 19 juillet 2012, qui vous parle de logique militaire dans le processus d'une prise de pouvoir. Ça a été confirmé également à l'audience du 11 juillet 2013 par Steve Eder. Alors non, il ne s'agit pas de mesures punitive à l'égard de citadins considérés comme des ennemis. Il y avait ce contexte-là. On a également évoqué les motifs sanitaires de l'évacuation. Et du côté de l'accusation, j'ai entendu vraiment beaucoup de choses. Outre le fait qu'on avait l'impression que seuls les Khmer Rouges étaient en guerre, on nous a expliqué très clairement que c'était parce que les Khmer Rouges avaient encerclé la ville dans le cadre de leur dernière offensive sur Phnom Penh que la situation était critique à Phnom Penh.
And that the situation was critical. C'est faux. In Phnom Penh. Et c'est pas moi qui le dis là encore. False. Vous avez des éléments dossier. So. You have the evidence before you. Les témoins sont venus vous expliquer l'afflux de réfugiés pendant les bombardements américains. À l'audience du 23 juillet 2012, l'expert Chandler vous rappelle qu'en avril de 1975, Phnom Penh comptait plus de 2,5 millions contre 500 000 habitants en 1971. Il dit que certains réfugiés ont gagné la capitale au plus fort des bombardements américains en 1973. Bien avant la dernière offensive des Khmers Rouges. Au dossier, vous avez également l'ouvrage de Michael Vickery, document E3/1757. Il vous dit, and he says in that document, je cite, and I quote, pour rester dans la veine historique, il est intéressant de noter que l'exode forcé des citadins en avril 1975 n'était pas le premier événement de ce genre au Cambodge, mais c'était le premier qui touchait les classes aisées des villes. Selon les estimations, la population de Phnom Penh est passée d'environ 600 000 en 1970 à plus de 2 millions en 1975. Mais la moitié au moins de l'accroissement et un nombre supérieur à toute la population urbaine de 70 se composaient de paysans chassés de leurs terres par les bombardements et les tirs d'artillerie. Fin de citation. Rappelons également la formule de François Ponchot quand il vous le dit à l'audience que les réfugiés fuyaient les combats en général et pas seulement les méchants Khmers Rouges. Je cite, comme on dit en Khmer, quand les éléphants se battent, ce sont les fourmis qui trinquent. As we say in Khmer, when elephants fight, it is the ils ne prennent pas le côté des Khmers Rouges ni celui du gouvernement. He is not supporting the Khmer Rouge, à compter de 1973, beaucoup de gens ont dû prendre la fuite à cause des bombardements américains. Because of the American fin de citation. End of quote. Et la situation en réunion à Phnom Penh, and what was the situation en avril 1975, les résidents de Phnom Penh vous l'ont décrite. Of Phnom Penh have described devant cette chambre. Before this chamber. Et là, je pense à Lai Boni, Pex Repal, Misahan, Tong Soka, Al Rokof, qui vous ont évoqué la pénurie de logements, les problèmes sanitaires, l'inflation des denrées alimentaires que cet afflux de réfugiés avait engendré. By this influx. Et en plus de ces témoignages, vous avez également in addition to this testimony, des documents à l'appui. Oh, these testimonies we have document E3/4188. À l'époque, et nous sommes en 71, c'est-à-dire bien avant la dernière offensive des Khmers Rouges sur Phnom Penh, le docteur Muniam, président de World Vision International, écrit ceci. Je cite, durant ces derniers mois de combat acharné, la population de Phnom Penh a doublé. Cette ville, qui était surpeuplée avec ses 750 000 habitants, compte désormais plus d'un million et demi de personnes. Les Cambodgiens, arrachés à leur campagne par cette guerre cruelle, ont afflué à Phnom Penh à la recherche d'un toit, de denrées alimentaires, d'un emploi, d'une école et de soins médicaux. Un peu plus loin, il indique la surpopulation, la malnutrition et la saleté causent des centaines de décès chaque semaine. Fin de citation. Et nous sommes en 71. Ces problèmes sanitaires ont été attestés par d'autres auteurs. Margaret Scolombe, document E3/4535. William Chokros également. Document E3/88 dans son ouvrage Sideshow, Nixon, Kissinger and the Destruction of Cambodia. Et dans cet ouvrage, William Chokros vous parle déjà d'insuffisance d'importation de médicaments qui se pose dès 1970. C'est bien avant la prise de pouvoir par les Khmers Rouges. Et parce que ce contexte historique, pourquoi je vous le rappelle? Parce que si on pense que 75, encore une fois, est ressurgi et surgit du néant,
Il faut se rappeler dans quelles conditions les Khmers Rouges ont pris le pouvoir. Quelle était la situation économique à ce moment-là? C'est un ensemble. On ne peut pas isoler 75-79 sans parler des années précédentes. Et sur les camps de réfugiés, rappelons-le, document E3-4187, Donald Warner, dans un texte intitulé « Cambodge, un peuple paisible englué dans la guerre », voilà ce qu'il dit à propos des centres de réfugiés. Je cite, « Les réfugiés des centres d'accueil survivent dans des conditions inhumaines et désespérées, surtout au Cambodgiana, au palais du jeu de plusieurs étages. À défaut de mieux, les réfugiés se sont emparés de deux premiers étages. La saleté, la surpopulation humaine et les conditions insalubres, des cochons fouinant parmi les réfugiés engendrent une odeur qui fait penser aux anciens parcs à bestiaux de Chicago. » Fin de citation. Al Rokoff, à l'audience du 28 janvier 2013, vous évoque lui également ce camp du Cambodiana, où entre 21 000 et 23 000 réfugiés vivent dans des situations qu'il qualifie d'absolument misérables. C'est même Rokoff qui vous explique que, faute de vivre dans les camps, de nombreux réfugiés vivaient dans les rues. Et que d'ailleurs, nombreux d'entre eux espéraient la fin de la guerre pour pouvoir rentrer dans leur village d'origine. Alors oui, c'est vrai, il y avait l'aide américaine qui soutenait le régime de Lon Nol. Mais ne soyons pas naïfs. Comme je vous le disais, nous sommes en pleine guerre froide. Ce soutien, cette aide n'est pas désintéressée. Ce soutien au régime de Lon Nol dans le cadre de la guerre contre le Vietnam, ce n'est pas l'amour de son prochain. Il ne faut pas faire preuve d'angélisme. Et rappelons-le, Sidney Schomburg est venu à cette barre vous expliquer que l'aide américaine, c'était une aide militaire avant tout. À l'audience, il vous a confirmé, et là je cite, que l'octroi par Washington au cours des cinq années de guerre était de 2 milliards de dollars d'aide au Cambodge, pour l'essentiel au titre de l'assistance militaire et très peu pour des projets humanitaires en faveur des réfugiés. Fin de citation. Cette aide qui a permis l'achat de ces bombes à grappes qui sont à l'origine de tant de mutilations encore aujourd'hui au Cambodge. Alors oui, il faut qu'on en parle de ça. La vérité a plusieurs facettes. The truth is multifaceted. Et Sidney Schomburg vous explique aussi que ce n'est qu'à partir de février 1975 que les largages américains furent constitués de nourriture pour la population et non pas d'armes et de nourriture pour l'armée de Lon Nol. Pas d'angélisme possible. Il n'y avait pas non plus d'angélisme possible du côté des Khmers Rouges de penser qu'après la victoire, leur victoire du 17 avril 1975, cette aide allait pouvoir continuer. Nyon Chia vous l'a rappelé à l'audience. C'est une évidence. Encore une fois, nous sommes en pleine guerre froide. Et puis les motifs économiques, certainement les motifs essentiels de l'évacuation. Est-ce qu'on peut les évacuer, les balayer d'un revers de main? Est-ce qu'on peut les limiter à cette réduction abusive qu'en font l'accusation et de vous dire qu'il s'agissait simplement de réduire en esclavage? Et pourtant, là encore, ce n'est pas moi qui vous le dis, ce sont les preuves au dossier, ce sont les gens qui étaient à Phnom Penh et en Cambodge en général qui vous le disent. La situation économique était catastrophique ce 17 avril 1975. Monsieur le Président, j'entends entrer plus avant dans le détail de cette situation économique. Peut-être que c'est le moment de marquer la pause. The President.
Thank you, Council. The time is appropriate for lunch adjournment. En effet, nous allons suspendre l'audience pour le déjeuner and resume at 1:30 this afternoon. Et nous reprendrons à 13h30 cet après-midi. Security guards instructed to bring Mr. Kyu Sampon to the holding cell downstairs and have him return to this courtroom this afternoon before 1:30. The court is now adjourned. L'audience est suspendue.